Aujourd'hui, nous allons vous présenter le louchet avec manche béquille fraisée du site Forges et Jardins. Alors, Olivier, déjà, qu'est-ce qu'un louchet? Un loucher, c'est un outil donc pour le travail de la terre. C'est une bêche qui a été améliorée. En quoi est-ce que cet outil est amélioré par rapport à une bêche? La principale différence par rapport à une bêche va se faire au niveau de l'emmanchement de l'outil. Donc, on constate ici une douille à anneaux qui permet de sertir le manche. La douille à anneaux va protéger le manche du contact avec la terre et va préserver le renfort. On constate donc une plume qui permet d'isoler le manche et de le maintenir pour pouvoir travailler fermement. Voilà, donc la plume, c'est cette pièce de métal qui est rajoutée à l'arrière, qui est soudée ici et qui permet de renforcer, donc, comme tu viens de le dire, Olivier, le manche. Autre chose qu'on peut rajouter peut-être sur cet outil? Oui, cet outil Forges et Jardins a été poli à la main sur les deux faces, de façon à pénétrer facilement dans le sol et la terre, du coup, ne va pas accrocher à votre outil pendant votre travail. On peut préciser peut-être quelque chose à propos du manche. Donc, on a dit qu'il était c'est un manche béquille fraisé. Qu'est-ce que c'est exactement? Tout à fait. Donc, tout d'abord au niveau du manche, donc c'est un manche en bois dur qui a été poncé pour une bonne prise à main. Et le manche béquille permet de travailler avec l'outil tout en forçant et en retournant votre terrain. Merci Olivier pour cette présentation et à bientôt. À bientôt.